chef fidèle, chef de l'Isan, yon Goku Taï Bobo. Nous avons émission Panouan, émission Paula, c'est émission Anchita Palé. Anchita Palé, j'aime dire toujours dit là, c'est une émission qui est là pour me parler avec vous de tout ça qui a passé, de tout ça qui fait nous mal, qui ça nous fait. Je dis à nous avons un sujet extrêmement important. Sujet à, on peut aller plus loin. On va essayer de poser une question. Est-ce que nous pensons que c'est possible, 17 avril 2023, que le pays est capable de changer? On pense que nous tous avons dit oui. Et ça fait me penser que nous avons dit oui. Si nous sommes capables de faire du 104, on pensait que nous sommes capables de faire 2023, nous sommes capables de faire 2025 et nous capables de faire 2030. On essaie de retourner avant 1804. Avant 1804, tu as un groupe jeunes garçons, jeunes femmes, ils ont pris mettez son bateau, yo mené au nom terre inconnue qui c'est l'île Hispaniola en tant que esclave. C'est que jeune garçon ça jeune femme ça chaque té yon langue différent par rapport de côté où té sorti ya. Mais pendant des années de misère, de souffrance, de calamité, c'est ils ont commencé à révolter, ils ont commencé bataille pour rejoindre l'indépendance, pour sortir dans la forme esclavage, ils ont mis là. C'est que jeune garçon ça yo, ils ont commencé à quitter l'habitation côté météo, timitua. Et ça fait que nous parlons de deux dates importantes. Nous parlons dans la vie du Macandal. Nous parlons de 1757 et 1758. Et plus tard, nous parlons de ça qui est la cérémonie Guacaïman. Cérémonie Guacaïman qui fait 14 d'août 1791. C'est que groupe nèg marron ça yo yo parle entendu ensemble son principe de base c'est que petite nous madame nous pas vive bagay ça encore là question a posé tête nous pas dit que yo pas parler même langue mais yo parle synchroniser ensemble et puis yon comprend l'autre. C'est que pral gen sa rele l'unité. Un pral gen l'unité dans mitan yo. Parce que nous connaissons dans la cérémonie Guacaïman et prêtresse Cécile Fatima et Bookman, vrai nom c'est Dorothy Bookman. Yo pral fait des sacrifices rituels côté que yo pral interpeller Dieu d'Afrique côté au sortir. Et par la suite, nous connaissons que prêtresse la pral pour un couteau, il pral dague un cochon. Il pral vide sans sa nombol et chaque participant qui était là, yo, chaque nèg marron qui était là, yo, c'est yo pral boire sans, yo pral scelé un pacte. Pacte ça son qui c'est yon union entre tout nèg marron qui était là, yo. Et pacte ça tout, il pral déboucher son yon sacré les aspect politique. Côté yo pral dit j'aime te répéter tout à l'heure. Sept, petit moins, descendant, pas pour retourner dans l'esclavage encore. Et nous comptons ça, ça va le bail. Ça va le bail 21-22 d'août 1791, surtout dans plaine du Nord, te gant pile, plantation, sucre, café qui te boule. Te gant pile blanc, madame yo, timoun yo, qui te moui. Vous comprenez? C'est que un groupe jeune garçon, j'aime dire là,
yo prend yo enchaîné yo yo mené yo dans espace donné côté pas de rien yo pas parler même langue mais yo te fait ça que l'unité et l'unité a te pral ba nous ça que les 1804 est-ce que nous même tout est-ce que nous même tout si cérémonie bois caïman t'es en forme t'es capable yon outil yon moyen côté nèg yo te entendre yo son principe de base c'est liberté. Question nous t'est posé dans commencement émission, est-ce que nous-mêmes de nos jours ne pas quarantaine son principe de base? Un principe de base côté nous capable dire un faut pays ça, faut pays a changé. Faut pays a changé. Et nous penser que pays a capable changer. Parce que si nous capable faire 1804, bah penser pas gagner nous pas faire. Pas gagner nous pas faire. Il suffit que nous prenons conscience de l'état nous. Nous prenons conscience que nous faisons, nous prenons un peu de temps, nous faisons des bails qui ne sont pas normal. Un, tu as l'unité dans l'état esclavio. Est-ce que nous-mêmes, en tant que haïtiens, en tant que frères, nous ne pas entendre? Est-ce que nous ne pas entendre son projet de société? Est-ce que nous ne pas entendre son projet de pays? Qui pays nous voulons? Qui type de famille nous besoin? Qui type d'école nous besoin? Qui type d'éducation que nous besoin? Là d'abord, nous commencer faire ça que les ententes là. Ententes là, nous pas comprendre nous yon c'est frère, nous c'est haïtien. Nous c'est haïtien, nous semblé, nous gen même couleur, nous gen même sang, nous gen sang liberté à dans nous. Et ça fait que nous commençons l'émission de poser cette question de demander est-ce que nous pas qu'à entendre, est-ce que nous pas qu'à retrouver l'unité, est-ce que nous pas qu'à batailler pour changement, est-ce que nous pas qu'à aller de l'avant. Certes, si c'est mon niveau caïman, t'es prouvé que esclave vieux qui dépasse de forme esclave à forme maronnage, puis on entend sont des principes de base. Un, j'aime te dire, on va parler même langue. On va parler même langue. Mais malheureusement, heureusement, cérémonie bois caïman, tu vas le permettre, tu sacrifier, mettre tête ensemble pour le banon sacré l'indépendance. Non. Moi, je pensais que, en tant que haïtien, en tant que jeune garçon, qui a parlé avec moi, certes, si nous avons un principe, si nous entendons, sur des principes de base. Si nous cherchons l'unité entre nous, si nous connaissons frères nous, frères et sœurs, c'est Haïti capable de changer. Non, Haïti est capable de changer. Et pour Haïti changer, nous sommes capables de cérémonie bois caïman nous prendre comme exemple. Et parce que nous disons dans la cérémonie bois caïman, il y a deux bagages qui sont extrêmement importants. C'est que l'esclavio ou l'esclavio ont entendu. Puis on dit que c'est frère oui. Et puis on te entend, puis on te bat en de façon commune contre oppresseur là, oppresseur contre qui est c'est colon blanc, puis on te bat nous ça. Nous même tout, donc à entendre son base. Donc à dire c'est et, en tant que haïtien descendant esclave, c'est le légué nos pays ça. Donc à pas bataille pour pays, pour nous bataille pour lui, nous contre oppresseur aujourd'hui c'est les nouveaux les nouveaux colons nous connaissons ces systèmes que vous mettez en place là pour nous toujours être dans la même situation nous hier et pour cela je pense que c'est extrêmement important en essayer faire coup d'œil dans le passé en essayer garder cérémonie bois caïman qui s'est quitté pour nous comme modèle comme exemple et qui s'est quitté pour nous comme solution. À travers de cérémonie bois caïman, nous voyons qu'est-ce que ça nous capable de faire. Et j'aime dire, 2023, 2025 et 2030, il est possible pour Haïti changer. Simplement, lui entendre sur l'unité de ses frères et sœurs. Et deuxièmement, entendre que le pays est capable de changer si que nous avons un projet de société, un projet de pays. Merci. Merci beaucoup.